est depuis 2 ans dans ce collège international expérimental, puisqu'on a un système de notes particulier et on est notamment l'utilisation du numérique au quotidien. Ouais. À l'établissement INEF, du coup, on a beaucoup de matériel informatique et ça nous permet d'apprendre nos cours différemment. C'est une manière différente d'appréhender les cours. Et en comparaison avec un établissement classique, c'est mieux parce que ça comment dire, en tant qu'élève, ça peut rendre les choses plus intéressantes. Et puis plus facile d'accès. Et puis vu que c'est numérique, on a un espace numérique de travail sur lequel on partage nos créations, mais plutôt nos travaux en fait. Et comme ça on peut voir ce que font les autres classes, les autres niveaux. C'est vrai que, en tout cas, moi je me plais dans cet établissement dans le sens où je prends du plaisir à mes cours, je prends du plaisir à travailler, même si ce ne serait pas forcément le cas d'un élève classique. Mais... Voilà. C'est vrai que c'est plus plaisant de venir ici et de travailler de cette manière-là plutôt que dans cet établissement de manière plus classique. Et franchement, ce serait quelque chose qu'on recommande. Vivement, oui, recommandé. Je ne sais pas, mais je pense qu'en tout cas, nos professeurs, ils nous font confiance. Et enfin, aussi, on leur fait confiance parce que c'est un nouveau projet et ça fait qu'un an et demi que c'est en route. Donc, il a fallu... au début, c'était un peu difficile l'année dernière, mais il a fallu qu'on apprenne à s'adapter, eux et nous. Et du coup, on se fait confiance. J'aime bien ce collège car dans ce collège, il y a une diversité de langues. On travaille en confiance. Le collège nous permet que tout le monde propose des idées, d'élire des délégués. C'est comme une démocratie. Moi aussi, je suis contente de venir. Et je trouve qu'on a une chance d'être dans ce collège comme ça, parce que c'est un collège qui est un collège pilote. C'est-à-dire que ce collège, en fait, dans les autres collèges internationaux, on doit rentrer sous des concours et des dossiers et arriver avec un minimum de niveau en langue. Alors que là, en fait, ils nous acceptent comme avec le niveau qu'on a, plus ou moins élevé. Et je trouve que c'est bien parce qu'on ne se sent pas jugé, en fait. Et ici, il n'y a pas le système de notes. Ça fonctionne par des points. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut toujours améliorer, en fait. C'est pas on a eu cette note là et on reste là et puis voilà, c'est inscrit dans notre bulletin et puis on pourra pas la changer. Alors que là en fait on peut changer. C'est bien parce que les gens ils sont à l'écoute et dès qu'on va dire quelque chose, par exemple, ils vont essayer de le modifier pour essayer qu'on se sente le mieux possible. Dans cet établissement on se sent écouté et puis on propose des activités et les adultes, ils nous font confiance tout de suite. Voilà. Et puis aussi, on a des commissions qui permettent de faire des activités et que les adultes le permettent aussi. Et on est écouté aussi, on peut dire ce qu'on veut et tout le monde nous écoutera. Et on communique beaucoup aussi.